accueillir le Cercle Celtique de Landerneau. Le Cercle Celtique a vu le jour lors du premier festival Canaloir en 1987. En 1993, il devient autonome et prend le nom Estelle en Elorme, qui signifie les ailes de l'Elorme, allusion faite au châle que les danseuses déploient comme des ailes au bord de la rivière d'Elorme. L'association regroupe 50 enfants et adolescents, répartis en 3 ateliers. Le groupe de Landerneau vous présente différents costumes du pays de Landerneau. Les enfants et adolescents du groupe de Landerneau ont choisi de présenter une suite scénique imaginée à partir d'une légende du pays de Landerneau. Je voudrais signaler la particularité du groupe de Landerneau. En effet, depuis un ou deux ans, il y a un échange avec des jeunes de la Courneuve. Ça s'appelle « Casser les clichés ». Ça fait référence à l'association de Nanik Noah, « Faites le mur », qui est orientée vers le tennis, mais qui également a d'autres activités. Avec les jeunes de la Courneuve et le groupe de Landerneau, il y a eu un projet chorégraphique et ils sont en train de préparer une chorégraphie qu'ils vont présenter à Fantasia. Fantasia, ce laboratoire de danse qui se déroulera lors du festival Canaloir sur le week-end du 14 juillet. Donc les jeunes de la Courneuve sont associés au final de leur prestation. Donc bravo à eux et c'est vraiment une belle initiative, casser les clichés. Je vais laisser maintenant le soin au groupe de Landerneau de présenter sa suite. Autrefois à Landerneau, les gens pensaient que la lune était une prison. Tout le monde avait peur et personne n'en parlait. Mais un jour, une jeune femme le raconta à sa meilleure amie. Marie-Jeanne était une jeune crêpière établie sur le vieux pont. Durant les fêtes d'aise, elle volait un châle par-ci, une bourse par-là. Mais un soir, des hommes sombres vinrent la rechercher pour l'emmener sur la lune.